Fédération Internationale Football Association, FIFA, lancé FIFA de Besli pour année 2024. C'est pral dans le mois de janvier 2025. Nous connaissons vainqueur FIFA du Best 2024. Tap tap sin, voyez l'argent en Haïti by Femme Wadzamou, pas compliqué. Ou même quand vivre l'autre bord de l'eau, téléchargez l'application Tap Tap Sin dans son Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Femme ou bien Zamou en Haïti, juste besoin de gagner mon cash et l'argent sur le téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction. Et l'air utilisé pour mon code moyen KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou gagner $15 sur première transaction. Ou même tout qui gagne un compte dans son GBOG en goutte ou en douleur, ou pas gagner pièce de difficulté, dit Femme ou Axamou, vous l'argent pour à travers Tap Tap Sin sur compte sur GBOG Goudo ou bien code dollar. 4 débits et le mon autre bois utilisé pour mon code KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou pas gagner $15 sur première transaction. Nous connaissons FIFA parallèlement by distinction individuelle parle on distinction qui a bail depuis 1991 avec Lothar Matthäus gagné plusieurs changements qui fait dans distinction ça et surtout dans Jean-Yo Bailly des moments c'est sous saison des moments sous année civile elle changé non tout désormais c'est FIFA du best que y a bail depuis des années là. Maintenant, pour saison 2023-2024, là, disons mieux, pour année 2024, là, ou éligible, c'est qui sont faits sous ANIA, sorti 1er janvier 2024, privé décembre 2024. OK? C'est sous année civile que la FIFA lui-même l'a récompensé et moun qui distingue comme meilleur joueur sous année civile. Alors que pour Ballon d'Or France Football lui-même, c'est mois d'août pour arriver 14 juillet après finale Copa América et Coupe d'Europe. Pour FIFA du Best lui-même, c'est sorti 1er janvier pour arriver fin décembre. Du janvier à décembre, c'est FIFA lui-même. Maintenant, pour France Football, c'est journaliste seulement, sans pays qui est mieux classé dans le classement FIFA. Critère lancé, performance individuelle, collectif et puis fair play. Pour FIFA lui-même, n'est pas différent. C'est performance individuelle et puis aspect collectif question. Mais qu'on est là, il y a plus de monde qui a voté pour France Football, c'est uniquement journaliste. Alors que pour FIFA, il y a 25% capitaine sélection qui a voté, 25% journaliste qui a voté, 25% entraîneur voté, 25% pour fanatique. Il y a 4 multiplié par 25, il y a 100. Journaliste voté, capitaine sélection voté, entraîneur voté, fanatique voté. Et moi dit, c'est sous année civile que Ballon d'Or lui-même, on dit que FIFA du Best lui-même la baille. Ballon d'Or, t'es qu'on baille sous année civile tout, pas oublier t'es gagné fusion FIFA France Football. Par la suite, France Football prend à faire l'année FIFA. FIFA lui-même toujours kembe distinction individuelle meilleur joueur FIFA. Côté que lui fait un bel gala qui fait en Suisse, à Zurich. C'est là le fait. Et nous connaissons siège FIFA, c'est l'allié. Eh bien, activité ça lui-même, il a fait en janvier 2025. Pour distinction individuelle de meilleur joueur FIFA. Favorio, c'est même où nous connaissons. Vinicius, Bellingham, Audrey, Caval, etc. C'est même où nous connaissons, Lautaro Martinez. Il y a deux bagailles qui sont très importants pour nous mettre accent sur lui. C'est que
c'est pas sous saison, c'est sous année civile. Et lors de la FIFA, on parlait de sélection. C'est très important. T'as une Coupe América qui était jouée, t'as une Coupe d'Europe qui était jouée, même la Coupe d'Europe, l'année-même coiffée par UEFA, qui est autonomie comme institution. FIFA, c'est papa, les mêmes qui ont autonomie comme institution, on a parlé de UEFA. Journaliste a voté, fanatique à travers le monde a voté, capitaine sélection a voté, a dit sélection qui FIFA, qui est affilié avec la FIFA, donc on a une sélection européenne, on a une sélection africaine, on a une sélection qui n'a pas mis bon là, ça veut dire c'est capitaine sélection. Il a englobé toute sélection. Kounye là, année civile là, capable de jouer dans avantage joueur qui gagne un ballon d'or. Ça c'est le premier bagage pour le monde connaît. Il n'y a pas de avantage. Ils ont 7. C'est 1er janvier 2024 pour y faire un lien. Alors que, si vous prenez un joueur qui se gagne ballon d'or, qui ballon d'or parce que c'est commencé août 2023 pour y faire 14 juillet 2024, c'est sous saison. Alors que FIFA du Bessin, même c'est sous année civile, je vois qu'il se gagne ballon d'or. À août pour saison 2024-2025 là, li pratiquement pas joué après 14 juillet. Et c'est li était blessé dans finale en jouant mi-temps. L'un venu retourner pour City, li blessé dans match Arsenal là. Ça veut dire l'on prend août, septembre, octobre, novembre, décembre. Li compté pour FIFA de baisse 2024 non, parce que c'est année civile là. Et période ça, Vinicius gagné EPAC. On y est là, mois novembre là, doit très important pour lui. Pour sélection. Parce que moi, dit FIFA, ou pas qu'à négliger sélection. Donc, Rodri perd du plume, parce que c'est année civile 2024. Pas qu'il garantit que l'a gagné ballon d'or, que l'a gagné et FIFA en de Beslan. Jean que l'a gagné ballon d'or, surtout, c'est 25% journaliste, 25% capitaine de sélection, 25% fanatique, 25% entraîneur. Alors que ballon d'or lui-même c'est uniquement journaliste, mais après ça c'est Cavall, c'est Bellingham, c'est Junior Vinicius, c'est Lautaro Martinez, mais avec un avantage pour Junior Vinicius parce que c'est année civile. Et nan joua sa yo qui était très bon sous saison 2024, en 2023-2024 là. Cavall blessé. Bellingham blessé. Rodri blessé. Lautaro Pocosa. Et c'est seul Vinicius qui était cap joué très bien par rapport avec l'autre joueur, au regard de Ballon d'Or, là, qui saute bas là, côté que Rodri Ballon d'Or, Vinicius deuxième, Bellingham troisième, Cavall quatrième. Cavall blessé, Rodri blessé, Bellingham blessé, c'est Vinicius qui était. Et avec Chan qui est beaucoup plus élargi, il y a beaucoup plus de chances pour ces Vinicius qui gagnait meilleur joueur FIFA. 2024 là, parce que moi dit c'est sous année civile que FIFA de base 2024 là, à bail, c'est pral dans le mois de janvier 2025.